Et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur Transportiveur 2. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au port donc de Xertini. C'est vrai que je voulais faire un petit port ici avec les voies ferrées. On va essayer de faire un truc de sympathique. Juste avant, pour ceux qui se demandaient, l'épisode des modes du mois sortira ce dimanche, logiquement, si tout se passe bien. Je sais pas trop quand le faire en fait, parce que là on changeait de mois en plein milieu de semaine. Est-ce que je le fais le dimanche d'avant? Ou est-ce que je fais le dimanche d'après? Bon, ça m'arrangeait plus de le faire le dimanche prochain, donc j'ai dit bon, moi on fera la semaine prochaine. Donc, logiquement, dimanche, il y aura les modes du mois de mars, du coup. Et voilà. Donc, on va attaquer ce port. Alors, je pense que je vais le faire arriver jusque-là. On va faire une grande zone ici, je pense. Tout ce carré-là, on va le creuser. Et on fera des formes après, comme on avait fait ici, où on mettra du coup un port. Et donc, le but de ce port, ce sera de livrer à Xertini. Et bah tout ce qui est nécessaire à la ville, donc bah le pétrole on a déjà ce qu'il faut, mais disons plus tout ce qui est nourriture, et après ça partira en correspondance par camion. Je pense que ça peut être sympa. Donc on va faire ça. On va laisser le jeu en play, hein. J'ai pas de problème à laisser le jeu en play, ça fera un peu d'argent. Je ne mets pas en vitesse x3 par contre, on va le laisser en x1. Ça prend du temps à se faire sport, mais. Oula j'ai colorié l'eau, incroyable. Mais je pense que ça peut vraiment faire un truc sympathique. Donc on va prendre ce pinceau là, on va faire des carrés. Force maximale, taille du pinceau, ça. Est-ce que je peux mettre un peu de rotation? Histoire d'être un peu parallèle au bord. Ouais, je sais pas si c'est bien le bon sens, ça. Ah si, ce serait ça. Il n'y a pas le cran qu'il faut. Bon, plus parallèle à cette route-là, alors. Si j'y arrive. Ouais, il n'y a pas vraiment ce qu'il faut, c'est pas grave. On recreusera après. D'ailleurs, faut prendre cette hauteur-là, ce sera mieux. Voilà, donc là on va faire hop, on va creuser là comme ça. Voilà. Alors il faut une certaine largeur. Alors je vais mettre pause finalement parce que je vais détruire des routes du jeu. Et vu qu'il voudra me les reconstruire, ça pareil, on va détruire ça. Hop, voilà. On va garder les aiguilles qu'on avait fait, parce qu'elles me plaisent bien. Mais on va les détruire quand même pour agrandir un peu là comme ça. Voilà. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus et après par contre il faudrait que je garde cette hauteur qui est là. Pour voilà, pour ici comme ça. Pour que le port ne soit pas trop haut. Voilà, quelque chose comme ça je pense. Voilà. Hop, on va essayer de faire un peu une droite. Nickel. Ici aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc là-dessus, on va mettre le port. Alors le port, je sais pas comment je vais l'orienter. Est-ce que je vais l'orienter côté ville? Non, au mieux que je l'oriente là comme ça, je pense. Côté ville, on peut peut-être mettre un port de voyageurs, mais on relierait quoi avec ça? C'est ça que je sais pas trop. Il n'y a pas grand-chose à relier, en fait, avec ce port. Il n'y a pas d'autres villes, en fait, proches de l'eau. Xertinis, ah si, il y a Drancy. Mais est-ce que Drancy, ça vaut le coup d'y mettre en voyageur? Bon, pourquoi pas à l'avenir, mais bon, je vois pas trop d'intérêt. Il faudrait qu'on puisse faire comme dans Cities Skyline, par exemple, des connexions avec l'extérieur. Ce serait pas mal, je pense. Faire genre des touristes qui arriveraient sur la map. Alors, donc, port de marchandises. Hop, on va le prendre et on va. Alors, je fais exprès dépasser. Ouais, je le veux là, comme ça, orienté comme ça me plaît bien. Je fais dépasser parce qu'après, on le remodifiera. Et enfin, on modifiera le terrain qu'il y a autour. Et du coup, il se mettra convenablement dans la terre. Et vous voyez, là, il n'y a pas besoin en fait de refaire le terrain. Si on fait un truc comme ça. Vous voyez, l'idée, c'est de faire ça comme ça. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Le port, donc, fera toute cette taille-là. Ensuite, on va mettre un ici. Un ici. Voilà. Et donc, les bateaux rentreront par là. Ouais, ça me plaît, ça. Est-ce que par contre. Ah ouais, vous voyez là, on peut mettre qu'un seul bateau, ça va pas. On va d'abord faire. Ah, je peux pas en coller là. Ah. Ah, ah oui, parce qu'il faudrait que ça parte plus de ce côté-là. Comment je peux faire? Est-ce que. Bon, on va remettre comme on avait fait. Et est-ce que là, par exemple, on peut mettre des petits docks. Genre là, comme ça, une petite place là. Et là, est-ce que ça. Donc là, on met un grand. Ah non, parce qu'il y a la terre, on peut pas.
Voilà, on peut mettre deux petits là. Et là, on mettra 1, 2, 3, 4 grands, du coup. Et on peut peut-être même... j'ai un passager là. On peut peut-être en mettre un autre là, comme ça. Voilà, comme ça. Ouais, c'est pas trop mal, ça. Il y a une forme un peu bizarre, mais... non, ça me plaît. Donc là, hop, on re-terraforme dedans. Voilà, on dégage les côtés. Voilà, et donc là, hop, on revient se remettre comme ça. Et on va même venir jusque là, comme ça, voilà. Hop. Voilà. Pas mauvais, ça, pas mauvais. Nickel. On peut mettre beaucoup de bateaux, là, hein. C'est un peu le but. Alors, donc, en gros. En gros. Qu'on retourne en édition. Ce que je veux, c'est que... Marchandises dans diverses. Non, c'est dans débarcadère. Voilà. Là, on peut mettre un gros ici. Là, on met, du coup, deux petits là. Ok, hors de mon négable. Ok, il faudra re-terraformer ici. Là, on met quatre gros là, comme ça. Et là, on peut mettre un gros encore ici. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre un petit encore ailleurs ? Non, j'en vois pas l'intérêt. Là, il y a de l'espace entre les deux. On pourrait presque remettre un quai, non? Là, ça passerait à un bateau. Ah, on peut faire ça. Et là, du coup, on met deux petits là comme ça. Ouais, c'est sympa ça en vrai. C'est sympa en vrai. Ça ajoute un peu de béton quoi dans l'eau, c'est pas mal. Ok, donc on avait ça aussi à rectifier. Hop. Ah non, j'ai pas pris le bon outil, c'est pour ça qu'il veut pas. Hop, et là. Est-ce que tu me le prends? Ah non, toujours pas. Hein. On va essayer de chercher un peu plus loin. Le creux. On va bien prendre un creux plus profond. Voilà, et là, il devrait me le prendre là. Voilà, nickel. Ouais, il y a de la gueule ce port, j'aime bien. J'aime bien. Et ce qu'on peut faire d'autre, du coup... On va configurer et peut-être mettre des bâtiments. Ah, on n'a qu'un seul choix de bâtiment, par contre, c'est pas ouf, ça. Et je peux même pas le mettre là, si je peux en mettre un là, mais collision... Pourquoi je peux le mettre là? À cause de la route. Bah, on va détruire la route qui est là. On va détruire ces routes, on les refera. Mais je verrais bien un bâtiment proche de la ville quand même. Comme ça, si jamais ça peut desservir un peu la ville directement depuis le port, ce serait pas négligeable quoi. Et là, il veut toujours me mettre le bâtiment ou pas? Alors, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà, il veut. Ok. Donc, je pensais en mettre. C'est quoi la différence entre les deux là? Ok, faut mettre sur le gros carré. Enfin, le gros rectangle. Voilà. Genre ça fait un peu des entrepôts, c'est pas dégueu. Et on peut en remettre. Alors là il y a de la voie qui me gêne. On peut le mettre là alors du coup. Voilà, là c'est pas mal ça dans l'angle. Ok, nickel. Ah non, 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 non. Pas ici. J'avais prévu de faire un autre truc ici. Configurer. Non, donc pas ici. Mais on peut. On peut en mettre ici. Ah du coup. Ah ouais, du coup, ça décale avec ce bâtiment qui est là. Et ben en vrai c'est pas grave hein, si on fait un truc comme ça. Ouais, ça peut être pas mauvais ça. Allez, donc à partir de ça, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, c'est ici. Alors là, ici, ce que je voulais faire, c'est que on va reprendre la hauteur des voies qui est là. On va pas mettre de caténaire. Ah, les voies sont peut-être un peu hautes. Ok, c'est pas grave, on en fait autrement. J'aimerais la hauteur du port en fait là. Là, vous voyez, je suis trop haut, c'est pas ce que je veux. Je vais être à la même hauteur, pile à la même hauteur, en fait. On va peut-être réduire un peu à cette taille-là. Et si je fais ça, là, est-ce que je suis bien? Ouais, voilà. Ça, c'est pas mal, ça. Oula, non. Alors, pas comme ça. Voilà. Hop, on va augmenter le pinceau.
Voilà. On met tout à niveau. Tout autour, comme ça j'ai la bonne hauteur un peu de partout. Voilà. Ok. Ça, c'est pas mal. Et après, ce que je voulais faire... Alors, j'ai un peu d'eau qui dépasse, là. Voilà. Ce que je voulais faire, c'est prendre la voie ferrée. Donc, à 30 km/h sans caténaire. Alors, pas comme ça non plus. Voilà, à cette hauteur-là. Ah, pourquoi il me... Pourquoi il me fait un truc dégueulasse, là, le jeu? Mets-toi plat. Voilà, quelque chose comme ça, je pense qu'on est droit là. Et voilà, on met juste des voies, alors c'est de la déco pure. Hein. Ici. Ah, la voie est pas tout à fait droite, on va recommencer. Vous voyez, l'idée en fait c'est de coller la voie à notre sport. Pour faire en sorte, comme si c'était les quêtes déchargement quoi, ou chargement des wagons. Voilà, ça c'est pas mal ça, on est bien proche en plus. Ça a du charme. Voilà. Et là, hop, on met nos voix. Voilà. Hop, et là... On vient se recoller à ça. Voilà. Voilà. Hop, alors logiquement, c'est pas la même hauteur. Ouais, ça descend un peu, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, on s'adapte. Donc ça, c'est bon. Ensuite. Alors toi, je t'avais mis de la caténaire, mais à partir de là, il n'y en aura plus. Donc du coup, ça, on y maintient là comme ça. Ah, j'ai pas pris le bon outil par contre, j'ai pas verrouillé la hauteur. Voilà, ça, on y maintient là comme ça. Et là, je verrais bien, ouais, une grande courbe. Qui irait du coup devant ce bâtiment qui est là. C'est dans un port donc il y a des voies un peu de partout, hein, c'est normal. Voilà, est-ce que je suis droit là? Oui, assez. Hop, nickel. Et donc là, hop, on va venir jusque là en ligne droite. Ah, on va peut-être aller un peu trop loin. Il me faut un bout de ligne droite pour faire un passage à niveau pour ressortir du port en fait par la route, on va dire. Faire une connexion routière, donc on va dire jusque là, hop, et là, voilà. Bien. Ensuite, ces voies-là, on va les raccorder aussi. Donc on va utiliser la méthode hein, qui va bien, hop. Toi ici. Toi ici. Toi ici, et... Oh non. Alors on n'a pas beaucoup de longueur à faire, donc c'est un peu pénible. On va supprimer un bout de voie pour pouvoir le replacer. Voilà. Comme ça, et là on peut faire les aiguilles. Hop. 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 Et hop. Voilà. Bien. Nickel. Ça commence à prendre forme, hein. Ça commence à prendre forme. Donc toi, hop, on aura une voie qui arrive là. Là, on aura un petit passage à niveau. On va laisser juste une voie ici, ce sera très bien. Et donc toi, on va t'électrifier, oui. Toi, du coup, tu vas pas trop bouger. Tu vas juste aller là. Hop. Et là... toi, on verra plus tard. Je sais pas trop quoi te faire faire, mais déjà, ce qu'il faut, là, c'est une route. On va s'occuper un peu des routes, là, d'ailleurs. Donc là, ah, est-ce que il passe? Ah, ça passe pas. Est-ce... J'ai pas besoin de ce type de route là, sinon. Ou alors je le mets ici et ici ça passe. Mais là, du coup, j'ai plus passage à niveau de faisable. Sinon, je mets une petite route là comme ça. Ah, ça passe pas non plus. Ah, si, ça passe. Mais là, je mets pas le passage à niveau là. Ah, bah non. Non, non, ça passe pas. J'ai pas pris en compte que ça c'était comment dire, que c'était le bâtiment en fait, la texture devant avec les poteaux. Et après ça a monté, donc le passage à niveau là ça va être compliqué. Ah, sinon je peux faire comme ça.
Mais c'est dégueulasse. Est-ce que si je fais... Avec ça, peut-être mieux? Non, c'est pire. Admettons, je fais ça. Non, c'est pas beau. Je vais texturer après, mais même avec les textures, ça rendra pas beau. Sinon... Ouais, bah tant pis pour cette voix, hein, pour l'instant. On verra après pour elle, mais là, ça va pas. Pour l'instant, ça va pas. Donc on va te remettre toi. Voilà, comme ça, je pense que c'est pas trop moche. Ouais, ça va. Hop, on prend ça. Voilà. On va mettre ça là. Ça ici. Hop. Et ça ici. Voilà. Donc ça, c'est notre entrée au port, on va dire. Et en plus de ça, on va mettre une rue normale. Ici, on aura une rue. Par contre, c'est pas connecté, ça? Ah, bâtiment est pas connecté à la rue. Non, mais comment ça se fait? Ah, ça, je suis déçu. Parce que je pensais qu'on pouvait connecter les bâtiments à la rue, en fait. C'est juste un entrepôt? Bâtiment principal? Bah non. Et toi, c'est connecté à la rue ou pas? Non, t'es pas connecté non plus, toi. Ah bah écoutez, bah ça sera juste de la déco alors. Je voulais vraiment faire une entrée au port de ce côté-là, en fait, pour... pour desservir la ville plus facilement en fait, mais du coup non, c'est pas faisable. Il y a vraiment que ce bâtiment là qui peut d'ailleurs le renommer, qui peut se connecter à la rue. C'est dommage ça, vraiment dommage. Donc oh, regardez ce qu'on a là. On va supprimer. Ah, je détruis encore la ville, hein, incroyable. Hein. Oui, on détruit tout, détruit tout. Non, je veux récupérer. Ah mais c'est pas beau ça en fait. Bon, on va refaire la ville. Vous me connaissez maintenant, hein. Vous me connaissez, moi je détruis tout. Hein. Si ça me plaît pas. Non mais il y a mieux à faire en fait. On va refaire l'entrée de la ville. On va refaire l'entrée de la ville. L'idée. Ah oui, bon bah oui, comme ça effectivement. Voilà. Ah, par contre, faire un rond-point alors que c'est pas plat, on va galérer. Mais on va essayer. Donc l'idée c'est de faire un rond-point ici. Hop, mettre deux voies. Alors avant de faire le rond-point, juste on va faire un autre truc. C'est que toi, du coup, tu iras là comme ça. Là, le rond-point va pas passer. Hop, comme ça, j'ai mes axes en fait après le rond-point, vous allez voir. Là, hop, le rond-point, on case. Alors, où est le milieu? Il est à peu près par là. Ouais, voilà. Et là, après, juste à prendre ma rue, en fait. Et à la raccorder au rond-point. Voilà. Et elle sera en face de cette rue-là. Voilà, nickel. Et pareil pour celui-là. Vous voyez que je peux même juste faire ça, en fait. Et voilà. Et là, ça marche. Par contre, vu que je veux pas de... Alors, c'est un peu chiant, ça. Mais c'est pas beau, mais... Il y a une astuce pour pas avoir de maison dans les ronds-points, c'est mettre des routes nationales, mais du coup ça casse les trottoirs et c'est pas beau. Et bien sûr, faut verrouiller la route. Alors comment on la verrouille déjà? C'est là-dedans. C'est là, voilà. Là, vous la verrouillez, comme ça le jeu ne pourra rien faire dessus. Mais pff, je trouve pas ça beau en fait. C'est le problème. Alors, donc toi, on va te modifier. Est-ce que toi, je peux te... Non, je peux pas t'améliorer. Donc on va te refaire aussi. J'aurais peut-être pas dû faire ça par contre. Ça c'est peut-être un peu con. Si je prends toi là.
Ok, si je peux te garder. Parfait. Essayer de se mettre en ligne droite. Voilà. On va faire. Comment on peut faire? Donc ça, en fait, faut que j'y garde. Ce sera mieux. Voilà, donc ça, j'y garde. C'est relié là, ici. C'est pas beau, ça. Ah ouais, j'avais fait ça pour que ce soit relié à la ville. Mais en vrai, c'est pas beau. Alors, on va changer. On va changer tout ça. Hop. Toi, donc, tu arriveras là. Et toi, ensuite, tu arriveras là. Ça, c'est pareil. Mais ça, c'est le jeu qui a fait ça, non? C'est moi qui ai fait ça? C'est moche. Oui, donc on supprime. Voilà, on supprime. Et là. Alors, d'abord, un petit bout de ligne droite ici. Voilà, quelque chose comme ça, on va dire. Et là, hop. Ça comme ça. Et ça comme ça, voilà. Ok, c'est déjà un poil plus joli. Donc, ensuite, toi, tu arriveras là. On va te faire faire là une ligne droite. Comme ça. Toi. Voilà. Hop, un truc comme ça. Toi, est-ce que je veux te raccorder là après? Non. Donc toi là comme ça, hop, ça en supprime. Ça en supprime. Et ça, on y transforme en ça. Ah, ça fait un truc comme ça. Ouais, c'est pas dégueu en vrai. C'est pas dégueu en vrai. Ça me plaît. On va juste aplanir un peu tout ça. Voilà, rendre plus propre. Bien. Voilà. Et donc, le dernier truc qui reste, c'est détruire ce quartier-là. Et donc, ce quartier-là, comment on peut le modifier? Alors, déjà, il faut modifier ça. Ça. Ça et ça. Si on a un axe qui sort de la ville. Donc, j'aurais besoin d'un flux comme ça. Et d'un flux qui va à cette route-là. Parce que après, on a la ville à desservir, quoi. Et puis la sortie par là-bas. Ok. Donc, en fait, le jeu a fait des quartiers bizarres. Regardez, c'est pas des carrés, c'est vraiment tout moche. Ah, mais j'ai supprimé aussi ça. Parce que c'est vraiment hideux. Donc, l'idée. À la limite, l'idée ce serait de faire. Peut-être quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ça, c'est moche. Alors, peut-être un peu plus court. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, si on fait ça, est-ce que c'est une belle boucle? Voilà, on peut peut-être faire genre ça. Et là, comme ça. Comme ça, là, on sépare les deux flux, ouais. Mais écoutez, je pense que là, on n'est pas trop mal, hein. Mes lignes, est-ce qu'elles sont cassées? Mes lignes n'ont pas l'air d'être cassées. Tout a l'air de bien fonctionner. Là, on a ça qui va là. Ça va là. Ok, parfait. Ça fonctionne toujours. Mais écoutez, je crois qu'on est pas mal là au niveau du port. Bon, faut attendre que la ville se reconstruise un peu. On a perdu beaucoup d'habitants, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. On aura une ville qui sera plus fluide niveau trafic. J'hésitais à mettre un rond-point là, mais j'ai déjà un rond-point là. Donc, deux ronds-points côte à côte. Ah, ça se fait, mais. Ou alors, je sais. Je sais. On va faire un presque rond-point. Ah, j'ai toujours des idées, c'est incroyable. Hein. Non, en gros, on va faire ça. Toi, tu restes là, finalement. Toi, tu vas là. Toi, tu vas nous faire un bout de ligne droite là.
Ensuite, donc toi, comme ça. Toi là. Ah non, pas comme ça. On va d'abord faire cet axe là peut-être avant. Voilà, là comme ça. Voilà. Et toi. Là comme ça. Et. Et là, et là, et là. Angle trop serré, mais non, ça passe. C'est pas ce que je veux, ça. Mais ouais, tant pis. Et on va du coup inverser l'essence ici, voilà. Et toi ici, voilà. Alors, il y a l'arrêt de bus là qui m'embête, mais j'aurais bien fait en fait. Non, mais on va laisser comme ça. À la limite en 4 en ouais en agrandir la rue là peut-être, ce sera pas du luxe. Voilà, faire genre ça comme ça. Et juste toi, hop, on t'améliore. C'est français tout ça, hein. On t'améliore du coup collision. Mais de quoi collision? Le machin il est 10 km. On pourra pas améliorer là. J'aurais bien amélioré cette route. Et si je la supprime et que je la refais? On aura tellement supprimé de route cet épisode encore une fois. Voilà. Ok. Donc là, ça a l'air de marcher là. Là, peut-être que du coup, ce sera beaucoup plus fluide. Je pense qu'on tient un truc là. Par contre, pareil. Toi, je t'améliorerais bien. Au moins là, comme ça. Et ensuite en ville. Voilà. Ok. Là, ça me va. Ça me semble pas dégueu là, ce qu'on a fait là. Hein. Avec le port ici, il manquera plus que les bateaux à amener. On a ça aussi, ça, on va le déplacer du coup. Le dépôt à bateaux. Le dépôt à bateaux. Qu'on va caler bah, ici, je pense. Ça sera pas mal. Proche de la route. On va mettre en même deux peut-être pour faire un. Pour faire genre, il y en a plusieurs, voilà. Hop, et donc cette route là. On va encore supprimer une route, ce sera la dernière de l'épisode, mais c'est pas grave. Hop, voilà, il n'y a plus de route à Xertini. Hein. Hop, voilà, ça comme ça. Ça c'est moche, je parie. Non, en vrai c'est bon, ouais, c'est nickel. Hop, voilà. Et là, ici. Voilà, du coup, on va améliorer ça. Ça. Ça et ça, voilà. Là, on est bien, là. Et vous voyez que la ville, là, si elle pouvait se développer ici, ce serait pas mal. Comme ça, on se développe côté du port. Ah, j'aime bien une zone industrielle ici, bien évidemment, mais... Ah bah, le jeu a refait la route. Mais non, t'as pas le droit, le jeu. J'ai dit, t'as pas le droit. Pourquoi il a refait la route? Ça marche pas le verrou? Peut-être oublié de faire ce bout là. Verrouillé hein. Donc là c'est verrouillé, on est d'accord. Possédé par le joueur, oui. Ah peut-être les valider alors. Voilà. Ok, là c'est verrouillé. J'avais déverrouillé, du coup c'est verrouillé par défaut. Donc sûrement quand on place le rond-point c'est verrouillé par défaut, d'accord. Ah, regardez-moi les trains qui arrivent dans le port là. Non mais je suis assez content de la tête que ça. Juste cette intersection là qui me plaît pas, mais dans TPF c'est difficile de faire mieux. Ça ralentit quand même pas mal les véhicules. Peut-être que ce qu'on peut faire du coup c'est que ici on met genre ça. Ah mais du coup ça met un feu ici, mais faut enlever le feu. Hop, hop, voilà. Comme ça, les véhicules peuvent prendre directement leurs deux voies en sortie de rond-point. Faut voir si ça marche, mais ça peut être pas mal.
Apparemment, là, on voit, ils prennent qu'une seule voie, les voitures, elles vont pas sur l'autre voie. Et là, ici, ça donne quoi? Ah, pareil, ça prend qu'une seule voie, et là... Ouais, ils vont sur... Ah non, là, ça a repris de voie, ouais, c'est... Ah, ça manquerait des modes comme City Skyline, hein, où on peut choisir où les voitures vont, hein. Ça, ce serait... ce serait vraiment l'idéal, mais bon, on n'a pas, on fait ça. Hein. Mais oui, là, du coup, ouais, ça s'est bien desservi. Et donc, il ne restera plus qu'à mettre... à mettre les bateaux. Donc les bateaux, nous ce qu'on veut c'est du pain. Il faut du pain. C'est qu'on fabrique du pain. Du pain, du pain, du pain. Alors je cherche, mais il s'avère qu'on ne fabrique pas beaucoup de pain hein, sur cette map. Proche de l'eau, hein, ce serait quand même pratique. Là, ah, là c'est là où déjà notre train va. On va fabriquer du pain ici. Ah mais on n'a pas beaucoup de fabriques de pain en vrai. Là on en a une là. On en a une là-haut. Mais elle est loin de tout. Alors sinon il faudrait... Ah oh, c'est galère. Ah oh, c'est très galère pour faire venir ça en train. Je vais dire faut venir jusqu'à Bruay. Mais Bruay n'est pas relié encore. Mais je suis étonné qu'on a combien de boulangeries du coup. C'est pas des boulangeries hein, je sais hein. Par contre, c'est où? Non, ville, usine, là, c'est là. Produit. Ah, on a que 4. Donc, on a. Ah, on a celle-là. Celle-là, à la limite. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, si! Ah, si, on va même le faire maintenant. Regardez ce qu'on peut faire. On fait un port ici. Hop, alors le port. C'est ici, un grand terminal. Alors, faut qu'on touche l'usine quand même, ce sera plus pratique. Voilà, hop. On fait un port ici. Ici, on met... bâtiment routier, c'est ça. Pour les marchandises, c'est ça. Alors, pas électrique, non, c'est pas ça que je voulais, c'était 30 mètres, voilà. On met ça ici, voilà. Hop, 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 on va ici, on va ici. Où était l'usine? Ah, elle est où? Ah, elle est là, ok, elle est là. Et on va jusqu'ici. On va remodifier un peu les routes parce que là, c'est un peu du n'importe quoi. Alors, les routes, bâtiment amélioré, c'est là. On améliore ça, hop. On peut pas améliorer ça, c'est pas grave. Hop, on va améliorer cette route là aussi. Hein. Voilà. Hop, on arrive là. Alors, on passe dans Albi, est-ce que c'est grave? Un peu, mais c'est pas grave. Un peu, mais c'est pas grave. Et on va jusque là. Ok, donc là c'est bon. Là c'est bon. On a même une autre usine qui est juste là. Qu'on va relier aussi. Par un autre camion. Donc il nous faut un bâtiment routier. Voilà, ici, celui-là. On va mettre ça là. Alors ce qui nous fait deux lignes. Une ligne qui va de là, qui va à là. Donc ce sera blé Albi. Voilà. Et une autre ligne qui va de là à là, qui sera blé plus nourriture. Je vais mettre le F devant. Blé plus nourriture. On va juste mettre nourrir, ce sera plus court. Ouais, on va juste mettre nous. Albi. Comme ça, ça sera plus court. Voilà. Et le bateau qui va aller jusque là. On va faire rentrer dans un meilleur dock parce que là, c'est nul. Là. On va pas faire un port pour qu'il se mette tout devant. Et donc ça, ce sera la ligne. Nous. Xertini, mais j'ai déjà un truc, je crois. On met Xertini au cas où. Xertini 2. Par contre, on n'est pas desservi par camion, là. Donc il nous faudra un autre dock routier. Voilà, ici. Alors, mauvaise touche.
Voilà, encore un cran peut-être. Voilà. Et parce qu'on est dans un port, on va l'agrandir quand même pas mal. Voilà, hop. Voilà, jusque là. Un autre ici. Hop, on va même faire comme ça. Hop. Et là, si on peut faire un petit accès routier. Hop, comme ça, ce serait pas du luxe. Et donc du coup, la route c'est là. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, ça nous fera une nouvelle ligne entre là et qui veut de la nourriture. C'est lequel qu'il faut de la nourriture déjà, j'ai oublié. Bon, on va prendre ça. Ok, c'est ici qu'il faut de la nourriture. Où est mon arrêt? J'ai pas d'arrêt... Ah si, là. Ok, bon, on va mettre un nouveau. Hein. On va mettre un nouveau. On va mettre un là. Voilà, un là. Comme ça, on dessert un peu tout. Hop, donc, ajouter une gare ici. Ah bah oui, j'en avais un ici. J'ai tellement d'arrêt de camion. Non, mais c'est bien de les séparer comme ça. Au moins, on a plusieurs endroits où on peut avoir de la nourriture. Hop. Et donc là, après, il passe par là. Il fait le tour comme ça, d'accord. Ok, bah si tu veux. Hein. Si tu veux. Et dans le sens, tu passes. Ok, ici. Donc ça, ce sera fret. Nourriture. Xertini. Du coup, c'est le troisième, je crois. Je sais plus, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, les camions Albi. On va prendre. Non, ça c'est des trams ici que j'ai à Albi. J'ai pas un dépôt de camion dans le secteur, si j'en ai un là. Ah, c'est encore des trams, décidément. Ici, voilà. Alors, marchandises. On va prendre ces camions là, peut-être. Ils prennent 32 et ils prennent 25. On va prendre ceux-là. On va en mettre 10 sur celle-là. On va en mettre 4 sur celle-là. Ensuite, il va mettre un bateau pour l'instant. Alors, large. Soit je mets ça. Non, bon, on va mettre ça. Ça changera. Il prend combien, lui? Il prend 252. Ah, 300. Ah, tu prends 300, toi. Eh ben, après, est-ce qu'on aura besoin de 300? Lequel est le moins cher à l'année? Ah, lui, tellement moins cher. On va prendre celui-là, allez. Vendu pour celui-là. On changera si besoin. Par contre, configurer. Non, c'est pas comme ça. Terminaux. Mets-toi au 9. Voilà. Comme ça, le bateau, il va un peu dans le port. C'est plus sympa. Hop. Et donc, il nous faut ensuite des camions à Xertini. Pour le trajet final, on va mettre les Tesla Truck, incroyable. On va en mettre 2, ce sera suffisant, ils prennent 20 chacun. Par contre, du coup, c'est quelle ligne? C'est la bleue. Une sorte de ligne bleue. On visible uniquement, ce sera mieux, ouais, c'est celle-là. Bon, il n'y aura plus qu'à voir si ça fonctionne. Par contre, il y aura beaucoup de bateaux ici, hein. C'est bateau land. Hein. Toi, tu vas où avec ta nourriture, toi? Ah, bah c'est. Ah, mais tu fais par bateau? Oh là là. J'ai peur. Ah non, c'est bon, c'est par camion. Mais il me faut plus de camions que ça alors. Faudra peut-être plus de camions. Après, est-ce que c'est bien de faire le tour là comme ça? Oui, c'est pas grave. Bon, les camions arrivent en tout cas, hein. Toi, tu tournes là. Et les camions qui vont ici, ils sont pas encore là? Non. Ok. Ok, ça commence à se charger. J'aurais dû les répartir un peu mieux, les camions. Parce que là, lui, ça a tout le temps chargé. Et eux sont tout le temps vides. Tant pis. On verra si le jeu les répartit tout seul.
Voilà, les autres camions sont là. Donc le but, c'est de tout faire produire là. Et après, d'y emmener en bateau ici. Et du en bateau, on va jusqu'au port. Et du port, on va en ville. Je pense que ce sera pas mal comme ça. Bon, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à très vite pour la suite. Salut tout le monde!